Alors ça c'est une petite, petite photo. La cylindrée 125. Non, 49. Un 550, ouais. Ah oui, assez gros pour un 50 quand même déjà, hein, assez important. Alors ça c'est Kelder, et là il y a deux marques, et Floretti. Alors c'est quoi, c'est allemand, c'est italien? Ah c'est quoi, ah non, la marque Kelder, donc allemand, allemand, et le modèle Floretti. Ça date de quelle époque, quelle année? 77. 77. 77. Ah oui, quand même, déjà, ouais. Je pensais que c'était plus récent. Ouais. 77. Et donc, refait, entièrement refaite. Non. Je l'ai touché, non, c'est logique. Dans cet état-là. Ouais. On dirait qu'il est. Elle est super belle. Le kilométrage. On voit pas bien. J'arrive pas à voir. Qui c'est qui voit, qui a des bons yeux? Je suis pas terrible, moi. 49 195 49 000. Et tu l'as trouvé comment, cette moto? Tu l'as trouvé Moi, j'ai acheté déjà, moi, j'ai 40 ans avec moi, déjà, moi, l'ai acheté en voisin. Il y a 40 ans? Il y a combien de temps? Non, avec moi, il y a 40 oui. ans, moi. Ah, d'accord. J'ai acheté déjà en moto coupable. Ouais. Ça fait longtemps, quoi. Elle est super belle. D'accord. Alors moi, je ne m'y connais pas grand-chose en moto, donc viens avec moi aussi. Donc, Kelder, c'est une grande marque mythique en compétition. Et elle a couru dans une petite cylindrée. Attends. C'était la marque de fort dans le micro. Et Julie, il y avait à l'époque du 84 Circus, quand vous avez 60-70. Ouais, il y avait toutes ces catégories, c'est vrai. Toutes les catégories. Dont les 50 cm. On se rappelle, il y a un grand pilote, ouais, mais pas fort dans le micro. Ouais. Donc à l'époque, dans les années 70, je vais répéter ce que tu dis, il y a la grande époque du Continental Circus, et il y avait toutes les catégories qui couraient sur le même week-end, et dont les 50 cm. On se rappelle d'un grand pilote qui est décédé il n'y a pas longtemps. Angèle Nieto. Vous connaissez Angèle Nieto qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était un très très grand pilote. 13 fois champion du monde. 13 fois champion du monde. Et d'ailleurs, pour faire un petit lien, je ne sais pas si vous connaissez le restaurant La Tribune, hein, qui est à côté là-bas. Et dans son restaurant, il n'y a que des petites cylindrées de compétition. C'est superbe. Il y a un crêneur de Grand Prix. Oui, il y a un Kelder, il y a Gautier aussi, qui a été une marque aussi, voilà. Et donc Kelder a été plusieurs fois champion du monde. Je pense, moi je suis pas je sais que Nieto l'a été 13 fois, mais c'était sur une autre marque, il y a deux marques. Ouais. Une marque espagnole qui s'appelle Derby, qui existe toujours. Derby, oui, Derby. À part la moto de Nieto, c'était quasiment exclusivement des Kelder. D'accord. Ben c'est bon de savoir, je ne savais pas. Je connaissais Angèle Nieto, mais sur quoi il avait couru, je ne le savais pas. C'est marque espagnole. Et cette marque-là existe encore aujourd'hui? Par ma connaissance. Elle existe encore? Non. Plus. D'accord. D'accord. Et franchement, elle est superbe. Alors ça va pas tellement vite, la vitesse. 50. 75 km/h, c'est pas mal, hein, 1,50. Et franchement, elle est super. Alors on n'a pas de frein à disque, hein. On a des freins à tambour. C'est extrêmement costaud, extrêmement fiable ce genre de moto. Et c'est assez rare quand même à en trouver. Dans cet état-là, à mon avis, ouais. C'est vachement rare. Moi j'en ai jamais. J'ai vu souvent des belles motos ici, mais ça, j'en ai jamais vu. Hein, franchement. Ouais, on a un carénage assez qui entoure le cylindre pour le faire refroidir. Alors, le sac de cylindre est à l'horizontale, hein, il est carrément à l'horizontale. Et vraiment, il y a une ligne qui est vraiment superbe. Combien de litres de. Ça fait plaisir de voir ce. Viens, tu veux parler, viens. Vous voulez savoir combien de litres dans le réservoir? Le réservoir, combien de litres à peu près? 20 litres 12 litres. 12 litres. 12 litres. 12 litres.
est où là? Dans la salle. Ouais, ouais, parce qu'il y a le cadre hein, qui passe au milieu. Et donc, voilà. Donc, 12 litres, oui, 20 litres, ça c'est un peu beaucoup. Ouais. Le petit porte-bagages qui va bien à l'arrière, hein, qui va avec. Ouais, franchement. Ça, c'est pas le matériel, les clés, et tout ça, tu me dis non. Ah ouais, là-dedans. Ah d'accord, c'est, il y a un petit casque derrière. Ça fait des bons soucis. Ouais, vas-y, vas-y, fais voir. On va voir. On va voir. Ça, c'est original, ouais. Pas le vent. Ouais. Regardez, pour les photographes ou les caméras. Les petits, j'adore les petits détails. Ah oui, regardez. Ah, rigolo, il y a un dedans. Petit cache pour mettre des petites, des petits outils. Ouais, des outils ah des ouais. Clés, des clés pour changer la roue. Voilà. D'accord. Et il fait quoi ça? Ça c'est pour de la selle là non? Non, quand même pas. Non, non, ça c'est pour. Non, ça fait ça à peu près quoi. Voilà. Ouais, ouais, ça permet de ranger quelques outils. Franchement, tu habites où? Tu es dans ton coin? Moi, je à Rennes. À Rennes. T'en as d'autres, Rodo? Oui, un autre 5 vitesses. 5 vitesses? D'accord. Non. Parce que là, combien de vitesses, là? 4. C'est 4. 4 vitesses. Bah, c'est l'autre modèle, 5 vitesses. Mon fort, mon fort. Mais un XLR aussi? Oui, c'est bien. Ah, il faudra venir avec, alors. Il faudra obliger. Et c'est un 50 aussi? Oui, oui, oui. Ah ouais. Ah pardon, excuse-moi. Ah, plus ancien, plus vieux. Oui, 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 oui. Ouais. Ah ouais, ça fera venir avec hein, celui-là. Bon, comment on l'a trouvé cette moto? Elle est originale, hein, j'en verrai pas beaucoup comme ça. Hein. Un 50 tourisme, bien sûr, c'est pas compétition. Mais bien sûr, la marque a été connue pour la compétition. Et on disait tout à l'heure, Angel Nieto a piloté sur ses machines. Un rip à lui, il est décédé il y a quelques mois. Voilà. En te remerciant, ça vaut combien une moto comme ça? Pas cher? Si? C'est cher? Combien? 4000? 4000 euros? Ah ouais, ça coûte 4000 euros. Ouais. Elle est belle, franchement elle est super. Vous pouvez l'applaudir. Belle machine. Ça aussi on va s'imposer ton là, c'est fini. Merci, on te laisse repartir. Non, c'est très bien, merci. Au revoir, je vais venir. Au revoir, lui.